Hey. Bonjour Bekaï. Ah ouais, comment va? Ça va bien? ça va, et toi? Ça va très bien. Donc ici, nous sommes à Dalvik et tu es le patron. Exact. Ici, on est dans une des stations de traitement de boue de vidange gérée par Dalvik pour le compte de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. On va voir comment ça marche? Ben, avec plaisir. Je vous suis. OK. Le biologiste expert en assainissement a mis au point un procédé pour valoriser les boues de vidange. Il va m'expliquer sa formule magique. Beka, je viens de voir comment est traitée la partie liquide du contenu des fosses septiques. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Ben voilà, donc le reste, c'est la partie solide. Donc lorsque les camions déportent, nous faisons juste une décantation, c'est-à-dire on laisse l'eau au repos et la partie la plus dense tombe au fond. On récupère cette partie par pompage, on l'envoie dans ce qu'on appelle des lits de séchage, c'est des bassins où l'eau s'infiltre et s'évapore pour qu'on récupère de la boue sèche. Cette boue séchée est mise dans un processus de compostage pour produire des fertilisants. Mais durant ce processus, la température peut atteindre 70 degrés et ça dure 3 mois. Alors ici, assainir, c'est composter. La matière est ainsi nettoyée de ses germes nocifs. Mais surtout, elle devient très riche pour fertiliser la terre. Là encore, ce sont les bactéries qui travaillent. Mais ce n'est pas si simple. Pendant 3 mois, il faut retourner plusieurs fois les boues et les humidifier. Le compost, c'est naturel. C'est pas toi, c'est les bactéries qui travaillent. On ne les voit pas, ce sont des microbes. On ne peut les voir qu'avec un microscope. Elles vivent comme nous. Elles ont besoin de nourriture, d'air, d'eau. Si l'un de ces 3 éléments manque, ça va poser un problème. Donc il faut bien comprendre, pendant 3 mois, vous devez respecter cet équilibre. Vous obtiendrez la bonne couleur. Quand la boue devient marron, c'est bon. Et voilà, c'est ça la formule magique de Bekaï pour transformer la pollution domestique en compost. Donc ce qui est à la base pour beaucoup de gens, moi y compris, un déchet nocif et encombrant, devient un produit valorisé. Ben oui, le système est très vertueux. Hein. À partir des déchets, comme vous dites, on crée un produit intéressant qu'on remet dans le sol, qui reproduit de la valeur végétale, et donc on favorise ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc il n'y a pas plus vertueux comme système que la valorisation des boues de vidange. Valorisation, économie circulaire, le compostage permet non seulement de se débarrasser de nos déchets, mais aussi de fabriquer un excellent engrais. Il est tellement fertile que tout pousse déjà sur les lits de séchage. Regardez, des piments, des tomates et même des pastèques. Un véritable trésor.